Hi, I'm Didier. Welcome to the lab at La Maison du Whisky. Aujourd'hui, on va le faire en français. So check your subtitles in English. On est avec Jean-Marc de La Maison du Whisky, donc gérant de la boutique. Oui. Et on va parler de comment déguster un whisky. Parce que bientôt, là, on va faire un grand festival de nouveautés avec des masterclass en ligne, des dégustations ici au lab, à notre boutique à Odéon aussi. Et donc, l'idée, c'est que vous veniez préparer, que vous sachiez déguster à la maison quand vous recevez vos petites fioles. Et avec ça, on lance la dégustation. Et bon, on lance la dégustation. Donc, vous avez reçu vos petits kits de dégustation à la maison. Maintenant, il faut vous mettre dans l'ambiance. Alors, Jean-Marc, quel environnement est-ce que vous conseillez pour déguster? Je conseille déjà un environnement sans odeur. Bon, ça peut paraître évident. Éviter de se parfumer soi-même, déjà, à outrance. Et ensuite, la verrerie. Donc, bon, c'est vrai que quand on pense verre à whisky, on pense souvent aux petites tumblers, qui sont bien. Qui reviennent à la mode, et on voit, ou qui n'ont jamais cessé d'être à la mode, au final. Ouais. Quand on y... Parce que beaucoup de gens dégustent dans ces verres-là. Alors, on dit toujours, oui, ce sont des verres qui sont jolis, il y a des facettes, c'est old fashion, on a l'impression de se retrouver 40, 50 ans en arrière. Mais sur le plan aromatique, ils sont quand même très évasés et il se passe pas grand chose. Donc alors, c'est bien pour boire un whisky tranquillement. Oui. Mais quand on parle vraiment de dégustation, d'analyse, on va plutôt partir sur des verres comme ça. Maintenant, on n'est pas toujours obligé de déguster en ayant forcément une volonté analytique. Donc on peut l'utiliser de temps en temps aussi, Mais si on veut vraiment profiter pleinement de son whisky, on conseille quand même plutôt des verres resserrés. Comme ceux qui sont là, le Glencairn, ici. Ça, c'est un classique. Classique écossais, toutes les distilleries l'ont maintenant en Écosse. D'ailleurs, c'est vraiment associé au whisky. C'est associé au whisky, oui. On n'imagine pas boire autre chose qu'un whisky dans ce verre-là. Ouais. Ces verres-là, qui ont été faits par la maison du whisky, qui ont été créés par la maison du whisky. On appelle ça un peu le style Copita. Avec un pied un peu plus petit, mais toujours très resserré vers le haut, toujours pour profiter de sa ronde. Puis après, il y avait le Sherry Dell, qu'ils ont surnommé verre single malt, donc qui peut paraître un peu étrange comme ceci au premier abord, mais qui fonctionne très bien aussi, assez évasé, puis encore plus évasé vers le haut, toujours pour faire ressortir ses parfums. Alors c'est vrai qu'on a fait des tests un peu, et c'est sur les brutes de fût, ça marche particulièrement bien. Ça marche très bien, absolument. Parce que ça ne concentre pas l'alcool. Ça permet d'aérer un peu plus, d'ouvrir le whisky. Donc déjà, bon, ça se regarde, voilà qu'il y a une jolie couleur jaune dorée, soutenue. On peut déjà l'agiter, un peu comme on fait pour un vin. On voit qu'il y a des jambes qui apparaissent, qui mettent un petit peu de temps à descendre. Comme pour le vin, plus ça descend vite, plus le whisky aura déjà peut-être un petit peu d'âge, ou sera un petit peu plus léger. Plus ça va descendre lentement, plus le whisky sera riche, sera gras, onctueux. Alors maintenant, le nez. Alors, le nez, bon, comme pour le vin, moi je pense qu'il y a un premier nez qui est important, on fait connaissance, là c'est vraiment du fruit, la pomme verte à l'instant, précisément. Alors c'est vrai que c'est les arômes qui sont plus légers. Qui sont là. Les fleurs, les fruits. C'est important de le faire parce que ces arômes-là, une fois que vous allez commencer à tourner comme je le fais votre vie, ils peuvent ne plus jamais revenir. Encore un peu, là c'est notre de cire, vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on y va, plus le nez est complexe, plus il va vous apporter de choses nouvelles. Alors là, par exemple, Jean-Marc, donc, il fait les notes pour le catalogue de la Maison de Ski, qui sort aussi, je crois que c'est le 26 septembre. Oui. Et il y a beaucoup de notes de dégustation, mais tu vas aussi beaucoup dans le détail. Tu passes combien de temps sur un verre, sur un whisky? Je vais déguster d'abord 5 ou 6 whisky, à la suite, au maximum. Ça va me prendre entre 1h30 et 2h pour les 6 whisky, quoi, à peu près. Et après, essayer de trouver une formule, au niveau entre guillemets, un peu imagé. Oui, il y a un travail de rédaction quand même. Il y a un travail de rédaction qui est là. Voilà, donc le nez, on en a parlé. Et puis surtout, bon. La bouche. La bouche, tu disais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que il faut pas prendre des grandes gorgées, surtout. Un whisky, ça titre entre 40 et 60, 65 degrés d'alcool. Plus le degré d'alcool est élevé, plus il faut quand même être un peu prudent. Alors, on a fait une vidéo déjà sur le brut de fût et comment réduire son whisky. Donc, si vous voulez voir, n'hésitez pas.
Mais on peut rajouter en fait de l'eau pour la dégustation. Oui, et surtout, bon, ben, prendre une toute petite gorgée. Ouais. Donc là, on est dans le milieu de bouche, donc toujours ce cheminement et ainsi de suite qui va durer quelques instants, voire quelques minutes. Et puis après, il y aura une finale également. Donc ça, c'est quand on n'a plus de liquide en bouche. Il y a une finale, c'est-à-dire que c'est la longueur. C'est combien de qu'est-ce qui reste au fur et à mesure en bouche. Ça ne s'arrête pas là, d'ailleurs, après, il y a le verre vide. Surtout, ne mettez pas tout de suite votre verre à laver, hein, vous le sentez. Vous le sentez. Et les très très grands whisky, je vous conseille même de ne pas les laver le jour même, de les laver le lendemain, voire deux jours plus tard, de sentir encore. Et plus le whisky est de qualité, plus les estrés secs sont riches, sont puissants, et vont rester dans le verre pendant très longtemps, même voire parfois plusieurs jours, ça peut paraître abusif de ça, mais tout amateur ne lave jamais son verre comme ça. Sur les grands whisky, on peut garder son verre vide à le sentir, simplement le sentir, voilà, ça fait appel aux souvenirs qu'on avait de l'enfance et ainsi de suite. Oui, parce qu'en fait les arômes et les saveurs, c'est très subjectif. Ah bah, le subjectif est à part entière, c'est la partie qui me paraît la plus importante, quoi. C'est soi-même, hein. C'est comment on est devant Lucie. La dégustation, c'est une grande phrase un peu pompeuse, mais je pense que c'est partir à la rencontre de soi-même. Ouais, de ses souvenirs. De ses souvenirs. Et c'est important. Et là, personne n'a le droit de toucher à ce chemin-là. Personne n'a le droit d'y aller. Alors, on peut être dans l'échange, mais dans le respect. Et surtout, et puis voilà. Enfin, voilà ce qu'on peut dire de la dégustation. Donc c'est...